Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du chapap du béret. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous, les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là sur mieux et dur. Oui, j'allume TikTok, je tombe sur un monsieur, j'ai un live là. Où c'est Team Lion, où c'est Team Chauve-souris, où c'est Team Charisma, où c'est Team Idolâtrie, où c'est Team Goumen, où c'est quel team oh? Moi, je ne comprends pas. Ils font un live, là, ils sont en train d'idolâtrer Kimi. Wow, Kimi, c'est la plus belle. Wow. D'autres sont en train de faire le copier-coller sur kit de Kimi. Oh, ils trichent Kimi. Oh, c'est monté, descendu. Wow, ceci là. Des matins, des mères. Oui. Les grosses vieilles mères, oui. Elles sont là, en train de mettre en avant Kimi et en train de dénigrer d'autres. Je ne sais pas à qui ils veulent faire allusion que la personne, que cette team est en train de faire copier-coller de Kimi, que c'est Kimi qui fait quoi, c'est monté, descendu. Mais moi, j'ai juste trouvé ça un peu bizarre. Un peu bizarre. Pourquoi ce live bizarre là, c'est seulement les gens qui supportent Kimi qui organisent toujours ça. Je ne comprends pas. Les lives, tu vois les lives, quand tu vois les lives bizarres là, que tu dis, ça dégage une énergie, une toxicité là. C'est toujours ces gens-là. Pourquoi c'est seulement eux? Pourquoi? Il faut voir comment ils s'entendent. Ah, mon frère. On est obligé de venir raconter, on est obligé d'apporter le béret. Donc, je tombe, je dis, non, je vais capturer le live ici là. Les gens doivent suivre le live ici. Les gens doivent écouter le live ici. Écoutez. Vous-même, vous allez me dire, ces tatas-ci là sont normales. Elles sont normales. Écoutez. Aïe, aïe. Vous allez toujours. Là, je suis innocente. Vous, là, c'est tellement ma qu'une fée là que vous copiez. Là, tu bois de l'eau. Là, tu bois de l'eau, s'il te plaît. Là, tu bois de l'eau. Quand elle sort avec quelque chose là, vous copiez, faites la même chose. Mais pourtant, bois de l'eau, ma sœur. Elle ne suit pas la tendance. Elle ne suit pas la tendance. Là, elle va à son rythme. Attends, je vais boire de l'eau après. Elle ne suit pas la tendance. Faut qu'il silence. Elle ne suit pas la tendance. C'est-à-dire, elle va à son rythme. Bien et sûrement, lent et sûrement. Ça le trouve, vous allez que sauf que souffrir de la voir comme ça, tout en belle, radieuse, lumineuse. Regarde le teint, regarde la petite forme bien chic. Regarde la tenue, regarde la coiffure. Qui te peut même, Kim? Qui te peut? En tout cas, il fallait cette photo-là pour venir et réveiller tous mes sens. Et je suis contente de te voir aussi radieuse comme ça. Très radieuse. Voilà. Le meilleur est à venir. Quelqu'un d'autre prend la parole. Voilà. Ah. Latif, après tu prends encore. Ah. J'ai compris. Trois fois Cano Kimberly. Trois fois Cano. 5 étoiles, c'est toi, maman. Louboutin, s'il te plaît. Louboutin. Faut préciser. Maman, tu es où? Tu es convoqué ici, s'il te plaît. Même Dieu sait que tu m'as. Maman, là. Oui, il faut toucher. C'est un mensonge qui te fait toucher. J'ai besoin de toi, pardon. Viens mettre un peu de piment ici. On a besoin de toi. Là, tu ne fais pas la demande de Marina, s'il te plaît. Ah bon, hein? On a besoin de toi. Je vais chanter un peu. Kimi avec Louboutin. Bon, moi, il y a d'abord tous, maman.
Aïe! Son nom est dans la toux. Le mensonge là va te toucher. Si je vais prononcer ces mots ton nom comme ça, il y a la toux qui me localise. Oui, c'est parce que merde. Orange Black te localise, besoin de toi. Je vais t'étaler partout. C'est le diable qui a été localisé. Tu vas pas savoir. Ah, maman là. On ne cite pas les contemporains. On ne cite pas les contemporains. Continue par non, son nom me donne la toux. Oui. Quand je vais citer ses mains, son nom. Regarde, maman gauche. Oui, merci. Tu as fait la vidéo avec notre papa, le général. Uh-huh. Deux jours, 3 millions 6, je crois 3 millions et quelques de vies. Moi, je donne tous ces jours-ci. Mais non, dis donc. Allez-y, vraiment. 3 millions. Waouh. Mais si c'était pour nous là, avec vos yeux de la sorcellerie, je vais parler. Je n'ai pas dit, je n'ai pas cité nom de quelqu'un. C'est 3 millions. Ce qu'elle a fait, le jeu là. Oui, oui. Ouais. Les vues là sont montées. Hein. Ah oui, mais c'est pas comme ça. Vous n'avez pas annoncé. C'est pas comme ça. Mais glorifier, il y a du glorifier. Mettez en haut notre bijou. Oh, Marina, donc on ne faut pas mélanger les sauces. Ce n'est pas le moment de Marina. Oui, oui, oh. Léonor même, son nom me donne la toux. Madame, ah, c'est pas les sauces. En ce moment-là, c'est elle qui est là. Écoute, vous allez chercher, non, oui. Vous êtes pour là-bas. Donne les choses, ne mélangez pas les choses. Donc, elle est allergique au nom de Dieu. Normalement, on casse. Marina, oui, on est focus. On est focus, sauf que son nom me donne la toux. Je fais comment? Si je vais citer seulement son nom, j'ai la toux. Je me mets un peu, s'il te plaît. Je vais parler après. En fait, si c'était pour Kimi, ils allaient bloquer. Et en fait, nous aussi, on n'a pas repartagé derrière. On est resté forever. Sinon, ils allaient bloquer. On n'a pas fait de publicité, c'est tout. Voilà. Le général, s'il est malin, il faut qu'il fasse les trucs avec ses enfants. C'est trop chic. Uh-huh. C'est à qui le tour? Qui parlait? Non, mes enfants parlent. Moi, je ne parle pas. Je vous écoute. J'anime seulement la cadence. C'est autour de qui? Quand le Latif a fourré à vous. Autour de Adeline, moi j'ai déjà parlé. Adeline ou Tim Lyon? Non, Tim Lyon. Coucou, je peux prendre la parole? Je peux me permettre? Tim Lyon qui parlait, qui devait parler. D'accord, donc Tim Lyon, vas-y, parle, tu finis, je prends la parole. Ok. Tim Lyon, t'es là? Tim Lyon, on dirait qu'elle est au travail. Marina, vous pouvez parler? Je suis là, excusez-moi. Bonjour. Ok. Bonjour Tim Lyon. Bonjour Tata Dido, bonjour toutes les Tata Sur. Bonjour. Bonjour bébé, ça va? Ça va, Tata, je vais bien, merci. J'espère que tu vas aussi bien. Ça va. Ah, en tout cas, Kimi nous a bien servi, hein. Kimi nous a trop bien servi, même. Rien à dire, en tout cas. Toutes les photos qu'elle a eu à faire là, moi, ça m'a laissé sans voix. Elle est toute belle. Oh là là, quel héritage! C'est une grâce pour elle. Non seulement elle est intelligente, mais encore une beauté. En tout cas, Madaichi, tu es la number one, l'unité de mesure. Ce qui m'intéresse, c'est que il y a du copier-coller. En fait, si vous avez déjà vu les images qui disent « Voilà ce que je voulais, voilà ce que j'ai eu. » Pour ceux qui comprennent, peuvent comprendre. Vraiment, c'est très bien. Elle nous a bien servi. On a bien aimé. La paire, elle est magnifique. La manière dont elle s'est habillée, sans commentaire en tout cas, tu es trop, trop, trop canot, la queen. Je suis au boulot, je veux me muter, hein. Je vous écoute. C'est à Marina. Coucou Marina. Non, c'est Adelaide. Coucou Adé. Elle est au travail, Adelaide. Marina, vas-y. Il y en a là.
Marina, Marie Chou, la petite là, elle se transforme vraiment de tout à tout, hein. Je dis que la petite Kimi, elle se transforme vraiment de jour en jour. C'est comme si elle devient encore de plus en plus vraiment très, très jolie. Vraiment, elle a une beauté vraiment incommensurable. Tel que tu regardes son visage, le visage ne fait que je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose. Il y a un petit truc là. Donc, qui était vraiment caché en elle, qu'elle ne faisait pas ressortir, qui est vraiment en train de... Avec vraiment la foi en elle-même, elle est en train de comprendre que, mais qu'est-ce que j'étais en train de garder? Il faut que je le fasse ressortir. Et elle est vraiment en train de mettre ça en valeur. Et elle met vraiment sa beauté, cette beauté-là vraiment en valeur. Et je suis vraiment très fière d'elle. Surtout quand je suis en train de regarder cette image-là. Et je regarde la Kim d'il y a de cela un an. C'est vraiment deux choses, deux mondes différents. Donc, exactement. Je suis vraiment très, très, très fière d'elle. Donc, il faut qu'elle soit très belle. Il faut vraiment qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ose, quoi. Parce que là, vraiment, c'est une tenue qu'elle a osée, c'est un look qu'elle a osé. Et cela lui va vraiment très, très, très bien. Et j'apprécie vraiment l'événement. C'est pas grave, hein. Et ça frappe à la porte, et puis surtout que... Abidjan va créer Madou. Donc, parce que quand elle même, ne serait-ce que les boubous, les tenues africaines, là, franchement, c'est une autre femme. Exactement. La femme pieuse, donc cette jeune fille africaine-là, et quand elle met celui-ci, donc, comment on appelle ça, ce sont les tenues vraiment occidentales, quoi. Donc, c'est un autre look. Donc, cela lui va aussi tellement. Donc, deux mondes différents. Et elle connaît vraiment accentuer cela. Et je trouve ça vraiment très beau. Donc, qu'elle continue d'oser. Qu'elle ne reste pas seulement dans le système africain. Qu'elle essaie un peu d'oser qu'elle ose aussi comme elle a fait là. Et je trouve ça vraiment très joli, vraiment très bien. Surtout quand tu entres aussi dans la mode, dans le kamikaze, il faut essayer de faire, pas seulement de faire le tri, d'essayer de toucher à plusieurs points. Donc, et franchement, moi, je trouve ça vraiment formidable. Parce que quand elle fait comme ça, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve après, parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve. Vous avez écouté. Vous avez suivi, non? Vous avez suivi. Ces gens-là vous paraissent normaux. Non, dites-moi. Entendez, ils sont normaux. C'est comme si ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Ce sont des gens qui sont peut-être ont une frustration quelque part dans leur vie. Moi, je ne comprends pas. Ils viennent déverser ça sur les gens. Ils prennent. Bon, je me dis qu'il y a depuis longtemps, là, il n'y avait plus cette toxicité-là, vous savez. Il y avait un moment là où cette team-là, ou soit Team Lyon, était devenue toxique au niveau où ils cherchaient déjà à contrôler la vie de leur maîtresse de Kimi. Quand Kimi est sortie, elle est babougou, elle est fouentée. Hein? Ils se sont calmés, ils sont partis maintenant former cette team chauve-souris. Beaucoup sont partis former Team Goumen, Team chauve-souris, machin truc. Mais il y a une nouvelle team là qui est sortie, qui était maintenant en douce là. Ils travaillent en douce, tranquillement là, oui, comme il se doit. Mais cette team là est déjà en train de pousser là, mousser encore. Ça va redevenir comme l'autre là. Et leur maîtresse sera encore obligée de sortir. Et leur daba, je ne suis pas ennemi avec quelqu'un. Elle va venir recadrer. C'est comme ça. Elle va venir recadrer, à moins qu'elle-même ne soit déjà toxique. Hein. Parce que Kimi a beaucoup changé. Hein. Kimi a changé. C'est pour ça que moi, mon impression vers Kimi là, moi, ça a changé beaucoup. Parce que Kimi a changé. Cette fille a beaucoup changé. Elle n'est plus la fille simple, noble, que je connaissais au début là. Non. Elle a beaucoup changé. Maintenant, elle passe autant à naguer, à faire des trucs, à avancer des paroles un peu bizarres. Vraiment. Ça, vous comprenez un peu. C'est ça qu'on dit que chaque pays mérite ses dirigeants. Oui.
Donc si cette team-là est là, et qu'elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle soutient ça, n'est-ce pas? Ok, en tout cas. Hein. On est là, non? Moi, je suis là, je dis quand je vais apporter ce live. C'est moi, ça m'a paru un peu bizarre. Ce sont des lives un peu... C'est comme si ce sont des enfants qui font ça. Oui? Aïe. Ouais. Bisous et à sa pronte. Surtout, ne mettez pas les organes. D'ailleurs, je m'en fous, mais mettez si vous voulez. C'est votre problème. C'est moi qui vais payer le traitement.